Bonjour à tous, Nicolas de la chaîne philosophique. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de psychologie, car c'est une passion aussi. C'est aussi vaste et ça se rapproche aussi de la philosophie. Alors, je voulais parler d'un auteur, Donald Winnicott. Donc, c'est un Britannique, psychiatre, psychanalyste et pédiatre, qui est né en 1896 et disparu en 1971. Alors, c'est un psychiatre qui a été influencé par Mélanie Klein. Donc son expérience de psychiatre et de pédiatre surtout s'intègre dans un processus d'observation de mère et de bébé. Donc il a créé quelques concepts comme the good enough mother, donc mère suffisamment bonne, ou en opposition, the not good enough mother, la mère pas assez bonne. Donc qu'est-ce qu'il entend par la mère suffisamment bonne? C'est-à-dire que c'est cette mère qui est trop présente, pas forcément de manière volontaire, peut-être inconsciente, et qui bloque le développement intellectuel, affectif, et l'indépendance et l'autonomie de l'enfant. Donc là, je vais un petit peu vite, c'est quand même beaucoup plus complexe. Et ces affirmations, c'est son expérience qui a fait qu'il en a déduit ça. En ce qui concerne la mère pas suffisamment bonne, donc ça peut être aussi délétère pour l'enfant qui peut développer une certaine forme d'anxiété aussi. Donc il est intéressant de voir ces deux visions, donc la mère suffisamment bonne et la mère pas suffisamment bonne, sans me faire culpabiliser bien sûr, mais donc de se situer sur un point d'équilibre sans déborder sur les extrêmes. Voilà. Donc il a aussi développé la notion de vrai self et de faux self, donc le vrai moi et le faux moi, penser qu'il se développe. Donc c'est la prise de conscience du moi par l'enfant. Dans le monde qui l'entoure. Voilà, pour faire assez bref. Après, il a développé aussi, il a parlé de l'agressivité et de ses causes, de la sollicitude, de la culpabilité, de l'agressivité, de la délinquance juvénile, des tendances antisociales, de la séparation, de l'adolescence, de la relation mère-enfant, mère-bébé, de la relation parentale, de la haine, des objets transitionnels aussi. Donc c'est juste pour vous montrer. Alors Donald Woods Winnicott, voilà, agressivité, culpabilité et réparation. Et en quatrième de couverture, il dit donc très intéressant: le sentiment de culpabilité se situe au point où la destructivité se transforme en constructivité. À partir de là, on comprend la destructivité compulsive, problème spécifique de l'adolescence et très caractéristique de la tendance antisociale. Ces questions ont un rapport étroit avec les événements extraordinairement importants qui se passent de manière assez obscure quand une mère ou un père donnent à leur enfant un bon départ dans la vie. Donc c'est aussi un sujet d'actualité en ce qui concerne la transmission, l'éducation, le bon, le mauvais parent, l'enfant roi. Quand j'ai lu Winnicott, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se situe pas dans une approche manichéenne, c'est-à-dire tout bon, tout mauvais. On peut avoir une enfance dans ce recueil, une enfance, être abandonné, avoir vécu la guerre, tout ça, et se développer normalement. Et l'inverse aussi. Quelqu'un qui a eu a priori une bonne éducation. Donc c'est là aussi où il y a l'inné et l'acquis, quoi, et le tempérament de l'enfant. Donc c'est là on rentre dans de la psychologie, qu'elle soit technique, clinique, théorique et aussi prophylactique. Donc c'est les quatre points qu'a développé Donald Winnicott: technique, clinique, théorique et prophylactique. Voilà, je souhaitais terminer avec ceci. Et voilà, pour le rapprochement avec la philosophie, donc ça permet, vu que la philosophie a beaucoup étudié l'âme, l'esprit avec le corps,
Donc ça permet de mettre en corrélation justement la psychologie, on va dire, plus ou moins contemporaine du milieu du XXe siècle avec la philosophie. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne philosophique. C'était Nicolas. Au revoir.